mère, je vais avoir ma crise, moi. Vous comptez pas. Là, vous n'êtes jamais ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, Estelle, hein, c'est toi. À chaque fois, c'est toujours sur toi que ça se passe. Bon, alors, on dit la musique. Un, deux, trois. Déjà sorti? On m'a remis 2 mois pour bonne conduite. Ça t'étonne, danseur? Non. Ça t'ennuie? Au contraire. Mais c'est gentil, ça. J'ai 2 questions à te poser. Je t'écoute. Où est Lola? Lola? Oui, Lola. Elle travaille plus ici. Elle est partie il y a déjà longtemps. Avec qui? J'en sais rien. Avec qui ça peut me foutre? Avec qui? Avec un type. Quel type? Je ne connais pas, ma parole, je ne connais pas. Où je les trouverai? Ils vont souvent chez Adrien, tu sais. Qui m'a donné? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Même pas que c'est moi. Si. Il m'a dit, si je suis grossier, si tu m'aimes, c'est que t'aimes les gens grossiers. Bonjour, mon chou. Tu viens chez moi, on voit la mer de ma fenêtre. Hey, tu pourrais répondre. Elle te plaît pas, ma copine? Lola, t'as des allumettes? Oui, oui. Pardon. Voilà l'endroit. Il sera là entre 2 et 3 heures. Tout est d'accord? Très bien. Et vous n'êtes pas seul. Qui c'est? Mario. Bon. Eh bien maintenant, je m'en vais. On avait dit 5000 francs, monsieur Bocasse. 5000 francs, oui, oui, c'est entendu. On avait dit... La moitié payée d'avance. C'est vrai. Tenez, voilà, c'est là-dedans.
Très bien. Bon, faut que je file. Alors, elle a vendu. Elle a un lit sans faute. Elle a un lit, monsieur Bocasse. Bonjour Lola. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, oui. C'est payé? Oui, oui. Eh bien, mets ton chapeau, prends ton sac et viens. Tu vas, Lola? Moi? Nulle part. Alors pose ton manteau, ton sac et va t'asseoir. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je... T'en vas? C'est si Freddy. Sors-le.
Freddy. Rock. François. Capella. J'ai mis un peu de ciboulette. Je sais que vous aimez ça tous les deux. Ah oui, de la ciboulette. T'as bien fait. Voilà, toujours apprécié la bonne cuisine. C'est rare, les femmes qui aiment bien manger. Ouais. Et il n'y a pas que ça qu'elle aime. Eh, mais c'est quelqu'un de bien élevé, de discret. De fidèle. Un peu de rouille. Un peu de rouille. Vraiment bon, hein. Délicieux. On oublie que ça peut être aussi bon. Ça doit être chargé. Dis donc, t'as tiré combien? 4 mois. Pourquoi? Ah, une connerie, c'est ma faute. Je vais réfléchir à la prison. Maintenant. Maintenant? Maintenant, je vois les choses autrement, j'ai plus de temps à perdre. Oh! C'est lui. Tiens, il est là, celui-là? Oui, à cette heure-là que t'arrives, t'as où t'étais passé? T'as cherché partout. Je me suis foulé les chevilles, mon vieux. Tu sais bien que j'ai les chevilles fragiles. Oui, surtout les soirs où il y a du travail. Dis donc, je peux te poser une question indiscrète? À quel genre? Ça te dirait de gagner de l'argent rapidement et facilement? Faut voir. Bon, bon, faut voir. Bon, écoute, je te le joue à pile ou face. D'accord. Qu'est-ce que tu prends? Vache. T'as perdu. T'as faut jamais jouer avec moi, j'ai trop de chance. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre la place de Mario. Accident? Va voir, il a sans doute trop bu. Tu vois que c'était pas compliqué? Je te l'avais dit. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Regarde! C'est un cheval? C'est un crack. C'est Wonderful. Tu connais? Non. T'as les favoris du Grand Prix de demain. Et l'autre favori, c'est Rouge Gorge. Il appartient à un certain Bocasse. Tu connais? Les apéritifs? Exact. Alors ce monsieur aimerait bien que Rouge Gorge gagne. Là, il a fait enlever Wonderful. Et toi, tu vas parier sur Rouge Gorge? Avec l'argent de Bocasse. C'est pas con, ça. Et non. C'est pas vrai, il va pas me faire ça. A gagné finalement. Vanina 2. Tu sais à qui il appartient, Vanina 2? À Bocasse. Non. Il appartient à Rinaldi. Ce serait pas ton avocat par hasard? Oh, les tordus. Oh, bonjour Capella, comment ça va, cher ami? Monsieur? Si Freddy Rock, si Freddy. Mon associé. Ah, très bien. Eh bien, asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. On n'a pas le temps. Un cigare? Je vous dis, on est pressé. Il faut d'abord que je vous félicite. C'était parfait. Les deux hommes ont eu plus peur que de mal et on a déjà retrouvé le camion. Bravo. J'ai préparé ce que je vous dois. 2500 francs. Plus les 2500 que j'ai perdu sur Rouge Gorge. Vous avez joué Rouge Gorge? Oui. Et je suis pas le seul. Oh, vous avez tort, mon cher Capella. Il ne faut jamais jouer aux courses. Est-ce que je joue, moi? Vous avez dû toucher un joli paquet sur Vanina 2. Moi? Mais Vanina 2 ne m'appartient pas.
Je suis heureux que mon excellent ami Maître Rinaldi ait gagné. Mais croyez-moi, je... Oh, et puis tenez, je suis bon prince. Je veux bien vous dédommager de vos pertes. 2500 francs de plus. D'accord? Vous parlez bien un petit verre. À vos classes. Et ma part? Comment ça, votre part? Ben oui, je vous l'ai dit, c'est mon associé. J'ai entendu. Eh ben, vous arrangez. Vous partagez. Je ne prends jamais sur la part d'un ami. Question de principe. Finito. Poi ti preparo da mangiare. Hai comprato un'altra camicia? Sì. Tre. Non ti domando dove hai trovato i soldi. Ho incontrato un tal. Ah sì? Non ne hai abbastanza qualche volta? Di che cosa? Quello che fai? No. A forza di pitturare gli occhi, finirai per perdere i tuoi. Tu as dit non. Un peu, oui. Eh bien. Celui qui t'a descendu, c'est mon ami. Mario. Son point faible, c'est les chevilles. Et lui, c'est mon cousin, Kid Morris. Tu connais? Non, je connais pas. Pas grave. On cherche un type comme toi. Ça te dirait de te battre contre lui sur un ring? Devant du monde? Pour de bon? Pas tout à fait pour de bon, mais il y a de l'argent à prendre. Un bon petit tas. Et je m'occupe de tout, t'as pas à t'inquiéter. Alors, à partir de maintenant, tu t'appelles Hans Petrus et t'es champion de Bavière. De Bavière? C'est où, ça? C'est où, la Bavière? En Allemagne, non? Je parle pas allemand. Monsieur, je suis ravi de vous voir.
Je n'ai pas à vous présenter Kid Morris. Et voici Hans Petrus, champion de Bavière. 1m82, 90 kilos. 28 combats, 21 victoires, dont 17 avant la limite. Et 4 nuls. Hans Petrus habite Munich. Il est marié et il a deux petites filles. Bitte, Herr Petrus, wie heißen Ihre Tochter? Donc, je vous en prie, on est en France, parlez français. Je demanderai seulement le nom de ces deux filles. Bertha et Marlène. Avec, hein, je compte sur toi. Dis donc, je lui ai dit de faire durer un round de plus. Alors, il va y aller un peu avec les jambes, crochet du gauche. Comme ça, ils vont en avoir pour leur pognon. Pas mal, Petrus, hein? Fait illusion. On s'est pas gouré. Alors, ça y est? Ben, où t'étais passé? Ah oui, ben, t'as loupé un beau spectacle. Tu fais mettre KO. KO? KO. KO d'entrée. Bonsoir. Ce sont Capella et Siffredi, vous savez. Permettez-moi de vous présenter Maître Rinaldi. Nous nous connaissons un peu, il me semble. Petite affaire est réglée. L'assurance incendie rembourse tout. On n'en parle plus. Merci. Ouais. Là, ça, tu peux être fier de toi, hein. Comment les gants, tu peux les raccrocher. Terminé. Et toi, tu vas retourner sur les quais. Oh, la famille. À propos, j'invite quelques amis à la maison ce soir. Voulez-vous être des nôtres, tous les deux? Nous fêterons la victoire de Petrus. De Petrus? Ah, oui. Mon ami Simon Bocas vient de le prendre dans son écurie. Il paraît que c'est vous qui l'avez découvert. Félicitations. À ce soir.
sais, c'est Marello. Depuis 2 ans avec Police partage Marseille. C'est la vieille école, mais des caïds, des installés. Qu'est-ce qu'il fait chez Rinaldi? Bocas sans Rinaldi, c'est rien. Et Rinaldi sans Marello, c'est pas grand-chose. L'argent, somme toute, c'est un problème secondaire. Ah, tu es là. Mais viens. Voici les deux jeunes gens dont je t'ai parlé. Madame Escarguel, ma sœur. Monsieur. Monsieur Escarguel, mon beau-frère, contrôle 60% du marché du poisson à Marseille. Et il a un petit problème dont il aimerait vous parler. Mon mari n'est pas là ce soir. Il sort très peu. Et puis, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour parler de ces choses. Mais vous pourriez peut-être venir à la maison un jour de cette semaine. Pourquoi pas? Vous m'excuserez, hein? Je vous laisse. Voulez-vous mercredi, 10h? Oui. Parfait. Bonsoir. Pourquoi attendiez-vous dans votre voiture cet après-midi? Je déteste la boxe. Je m'appelle Siffredi. Rock Siffredi, je sais. Et vous sortez de prison, vol avec effraction. Auparavant, vous aviez passé 2 ans dans un bataillon disciplinaire en Tunisie. Vous n'avez pas d'argent? Et vous en cherchez. Je suis Madame Rinaldi, la femme de Maître Rinaldi. Vous êtes ici chez moi. Je dois connaître les gens que j'invite. C'est la moindre des choses, non? Simone. Votre parfum? À Dieu ne plaise. On dit que je me parfume un peu trop, mais j'ai tellement peur de sentir la marée. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais quelque chose de bien, de cher, de beau. C'est pour une femme du monde. Des roses? Des roses? C'est bien ça, les roses, ça fait sérieux? Très bien. Alors, va pour les roses. Très bien. Une douzaine? Une douzaine. Je m'appelle Capella. C'est un drôle de nom. Oh.
Pourquoi ça? Je sais pas, mais il est drôle. Je vous intéresse? J'aimerais vous revoir. Bonne idée. Vous jouez au tennis? Comment? Est-ce que vous jouez au tennis? Ah, au tennis, oui. Oui, j'ai joué il y a longtemps. Faudrait que je rentraîne maintenant. Non, mais dites-moi, vous préfériez pas faire plutôt une petite promenade en bateau un de ces jours? Pourquoi pas tout de suite? Ah, ben tout de suite, c'est-à-dire que j'ai un rendez-vous d'affaires dans 5 minutes. Votre bouquet, monsieur. 25 francs. C'est pour votre rendez-vous d'affaires? Non, c'est pour vous. Ça, c'est ma voiture. On pourrait aller à l'Alcazar un de ces soirs ou au cinéma. Je sais pas si mon père sauterait de joie à cette idée. Bah, qu'est-ce qu'il fait, votre père? Il est dans les affaires, comme vous. Bon, je m'appelle Ginette. Au revoir. Eh ben, attendez. Je vais vous raccompagner parce que vous savez, les rues de Marseille, c'est pas sûr en ce moment. Ça m'est égal. Et puis, j'ai une voiture, moi aussi. Ah bon? Le bureau de Madame Escarguel. C'est juste à moi de l'escalier. Eh bien, nous ne vous attendions plus. Votre ami est ponctuel, au moins. Il m'a même apporté des fleurs. Ah oui, mais moi j'ai crevé. Je vais vous présenter mon mari. Monsieur Capella, mon mari. Monsieur. Mon mari a eu un accident il y a quelques années. Il a du mal à s'exprimer et à bouger, mais il a gardé toute sa tête. Et comme je suis la seule à le comprendre vraiment, je dois m'occuper de tout. Ce n'est vraiment pas une vie. Ces odeurs. Comme je l'expliquais à votre ami. Oui, monsieur Escarguel a 2 concurrents qui lui font la vie dure. Les frères Pradel. Il faudrait les décourager. Je vois. Et il souhaiterait que tous les marchés à poissons de Marseille soient approvisionnés par sa compagnie. C'est très clair. Oui, c'est ça. Vous expliquez les choses tellement mieux que moi. Et pour cette collaboration, eh bien, j'ai pensé 10%. Vous plaisez beaucoup à mon mari. Avez-vous une idée? Une idée? Sur la façon de vous y prendre. Ah bah, on va y réfléchir. C'est pas urgent, urgent. Bon, au revoir. J'aimerais beaucoup vous avoir à déjeuner un prochain jour.
penser à quelque chose dans les semaines qui viennent. Mais surtout que cela reste... Enfin, que cela soit... discret. Mon mari tient beaucoup. Que cela soit efficace, mais... discret. Pas frais? Non, mais sortez-moi ça. Eh ben, il s'en mange au poisson, qu'est-ce qu'il a? Il a été pêché cette nuit-là, l'œil vif, regarde. Non, pêché de la nuit, ça? Pêché de la nuit, oui, mon mot. Non, écoutez, franchement, mesdames, je vous prends à témoin. Sortez-moi ça. Oh là là, quelle horreur. C'est une infection. Oh, une infection? Il est pas frais, ce poisson? Il est pas frais? Pas frais, mon poisson? Non, mais dis, tu t'es regardé? Il remue la queue, il a pas comme toi. Allez, sentez ça, madame. Sentez-le. Vous croyez que je vous ai pas vu? Vous avez sorti votre poisson pourri de votre panier. Vous ne pouvez pas me prendre pour une andouille, non? Non, mais des fois, ça va pas? Oh! Alors, il était pas frais, mon poisson, madame? Et au large, maman, hein? Oh! 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 Téléphone. Oui, monsieur, dans la chambre et dans le salon. Oui, bien, c'est parfait.
salon. Le salon. Allez, viens. Dites-moi, pour mes amis. Deux chambres plus petites, mais au même étage. Parfait. Vous me mettrez un lit à baldaquin, hein? Avec des colonnes. Bien, monsieur. Puis alors aussi des tableaux qui représentent des forêts, puis des femmes nues. Bien, monsieur. Il y avait un coffre. Bien entendu, monsieur. Quelle marque? C'est un Durox, monsieur, modèle 44S. 44S? Alors vous mettrez ça dedans. Bien, monsieur. Mes hommages, madame Escartel. Ils sont charmants. Félicie. Détends. Ah oui. Tiens, il y a plus pied là. Ah bah il y a plus pied. Je vais chercher un coin dans les rochers pour me changer. Je vous laisse mon ombrelle. Je reviens tout de suite. Attends. Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquille. T'as raison. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Polly. Quoi, Polly? La boucherie. Ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi? J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Polly. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et il bascule. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein? Je vais te le faire à pile ou face. Pile? T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi. Il a l'air fâché, votre ami. Ce n'est pas à cause de moi? Non. Qui est cette jeune fille?
vient de savoir. C'est la nouvelle de police, Ginette. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est la nouvelle de police, Ginette. Elle vient du tiers, il est fou d'elle, à ce qu'il paraît. T'es sûr? Autant qu'on peut l'être. Où allez-vous? Je vais leur dire bonjour. Tu as mis le panier? Il est là. Ah, je pose à la veste. Eh ben, je vais me prendre le rosé et je vais l'ouvrir. Ouais. Bon, je vais mettre le couvert. Voilà. J'ai sali la veste. Dans les tomates, je les pose sur la table. Le vin, les autres assiettes. Ah. Et Germaine, Bonjour. Est-ce que tu as préparé le bon? Je t'ai fait trois. Salut, Capella. Salut, Capella. Salut, Capella. Salut. Vous connaissez? Plus ou moins. Tu veux le pastis? Non. Votre père est pas là? Non, il n'a pas pu venir. Les affaires, vous savez ce que c'est. Vous vous rappelez, je vous avais proposé une promenade en bateau? Oui, ce serait une bonne idée. Un de ces jours. Pourquoi pas tout de suite? Hein? Je vous suis. Vous croyez que cela peut être dangereux pour lui? Il y a toujours un peu de danger avec les femmes. Oh, ce que c'est joli. C'est beau. Vous faites souvent des promenades en bateau, vous? Attention. Oui. Et voilà. Ah ben, ils nous ont laissé tomber. Oui. Qu'est-ce qu'il va dire, votre père? Les jeux sont fait marquer. Banque au sol. Non. Non. Neuf à la banque. Tailleur, monsieur un banco de 200. Comment vas-tu? Bien, et toi? Content de te voir, ça va? Oui, très bien. Bonsoir. Ça va? T'as une place ce soir? Oui, en tête. Bien. Suivez-moi. Monsieur,
Baccarat là-bas. François est chez toi, il t'attend. Tu m'excuses. Je voulais pas rentrer à l'hôtel comme ça. Alors je suis venu ici. T'as bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux rester un moment? Le temps que tu voudras, t'es chez toi. Repose-toi. Rock. Je voulais te dire. Pour la boucherie, c'est d'accord. Chut. Boucherie. Quelle idée de venir m'en parler à moi. J'aimerais mieux n'avoir rien entendu. La boucherie. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais qui s'en occupe de la boucherie? Polly. Et alors? Tu le connais? Tu sais de quoi il est capable, Polly? Ça ne te fait pas peur? Non. Écoute-moi bien. Vous vous êtes fait une place au soleil. Très bien. Vous avez du culot, Capella et toi, vous n'êtes pas maladroit. Bravo. On vous a laissé vous amuser avec les poissons du beau-frère. Il est très fatigué. Et puis ma sœur a insisté. Mais n'allez pas vous frotter avec les vrais patrons, tu comprends? Je ne vois pas pourquoi vous prenez la défense de Polly. Vous êtes plutôt lié avec Marello, non? Je ne suis lié avec personne. Je suis l'avocat de Marello, c'est tout. Et je vais te dire. Polly et Marello se sont partagés la ville il y a 4 ans. Pas de friction, pas de coup dur. Ça marche. N'allez pas vous mettre au milieu. J'avais avoir 7 ans quand j'ai mangé de la viande pour la première fois.
N'y allez pas, ils vous attendent. François ? François ? François ? Sortez tous! Le pneu. Allez, vite! Ça passe pas, François. Tu vois bien que ça passe. François, fonce chez ma mère. Thank you.
Dis donc, François. T'en avais pas parlé à Ginette? Passe à l'hôtel. Quoi, mais ils vont? Passe à l'hôtel, je te dis. Ginette devait venir ce soir. J'en avais parlé. Tu penses encore souvent à Ginette? C'était sérieux? Tu serais partie avec elle? Comment ça, partie? Oui, pour aller vivre ailleurs, je sais pas, moi, partie. Avec elle, oui, peut-être. Mario, on n'a même pas pu aller à son enterrement. C'est triste. Dis, on va rester longtemps ici, tu crois? Tant qu'il faudra. Moi, ça m'est égal, j'aime la campagne. J'y suis née, alors. Sûrement Spada qui arrive. Ils arrivent de Béziers. Je les ai trouvés à Martigues. Ils cherchaient une planque. Pour? Braquage. Du grabuge? Un peu. Installe-les. C'est bien passé? Ça va. Voilà les journaux. Fais voir. Et le reste? C'est là. Tiens, aide-moi, va. Non, laisse. Hey! C'est pas du neuf. Ça vient du Maroc. Mais ils ont été revérifiés. C'est ce que tu voulais? Exactement. T'allais... Dans l'autre caisse. Bah, Amel. Eh, dis donc, maître Inaldi s'est fait nommer adjoint au maire. Il perd pas son temps, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit sur nous? Paul y a l'air de croire que vous êtes sorti du circuit. Eh bien, on va le laisser croire ça. Thank you.
Allô? Qui? Chez Polly? Maintenant? Mais écoutez... Bon. Bon, je vais passer. D'accord, j'arrive. Tu m'attends, tu viens avec moi ou je te rejoins au théâtre? Je viens avec toi. On n'en a pas pour longtemps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, maître. Nous avons appris votre nomination. Nous tenions à vous féliciter. Bravo. Où alliez-vous? Au théâtre. Voir quoi? L'aiglon. Vous avez l'air surpris, maître. De vous voir ici? Comme nous le soir des abattoirs. On a été un peu surpris de voir qu'il y avait des gens qui nous attendaient. Je vous avais prévenu, mais il ne faudrait pas que vous en disiez. Je crois que vous allez arriver en retard au théâtre, maître. Après le baisser du rideau. Mais qu'est-ce que vous croyez? On a longtemps hésité à votre sujet. Et puis on s'est dit que finalement, vous pourriez nous être utile. Oui, nous avons décidé d'acheter ici. Vous voulez acheter? Oui. Mais où est Polly? Il est mort. Au restaurant. Un quart d'heure? 20 minutes. Mort. Que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t'accueillent à ton arrivée et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel, que les anges en chœur te reçoivent et que tu jouisses du repos éternel avec celui qui fut jadis le pauvre Lazare, requiescat in pace. Amen. Monsieur Marello aimerait vous parler. C'est à quel sujet, danseur? C'est très simple. Vous prenez la succession de Polly, ça vous regarde. Mais Polly n'a jamais touché à ce qui appartient à Monsieur Marello. Et vous n'y toucherez pas non plus. Et alors? Je vous préviens. Si vous avez eu Polly par surprise, moi, je suis de naturel méfiant. Très méfiant. Un autre point très important. Rinaldi est mon ami. Si vous le touchez, c'est moi que vous touchez. Pourquoi on le toucherait?
D'ailleurs, maître Rinaldi ne s'occupera plus de vos affaires. J'aime pas beaucoup qu'on me parle sur ce ton, danseur. Chauffeur. Toute sa comptabilité là-dedans. Cryptamanin. En amour comme en affaire, il y a des choses qui ne s'écrivent pas, évidemment. Vous êtes précieux, monsieur Ferrand. Toujours par le système de pourcentage. Vous savez, j'ai une longue habitude des affaires. J'ai débuté en 94 avec les frères Valabré. Trop jeune, je les avais pas connus. Ça vient tout droit de Chicago. Bah, des rouglas. $250 comme ça, ça va être la folie, eh. Lola, le disque. Thank you.
plaît? C'est cossu. Dessiné par Leleu. Parce que maintenant tu... Tiens, regarde ça. Un très beau bronze de Guyot. Chinois, très rare dans la couleur, sang de bœuf. Coromandel, 18e. Tiens, viens voir. Quand nous voyons notre magnifique cité phocéenne, porte de l'Orient, chaque jour plus moderne, plus prospère et plus heureuse. C'est donc avec une conviction profonde que je vous dis, le mois prochain, en votant pour moi, vous voterez pour le progrès, pour la justice et pour la paix. Plus beaucoup au cercle. Vous êtes devenu un homme tellement occupé. Et Marseille vous doit beaucoup. Répondez-moi franchement, mon mari vous a fait quelque chose. Dites-moi quoi. Je vous en prie, j'ai besoin de savoir. Il avait parlé de vos projets à Poli, c'est ça? Ne posez pas ce genre de questions. C'est drôle. Chaque fois que je vous rencontre, je remarque. Vous n'avez pas l'air satisfait. Je devrais l'être. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous croyez?
Toi aussi, ça te fait qu'à moitié, hein, cette histoire d'élection. Rinaldi député, avec Marello derrière. Manquerait plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Pas en période d'élection. Ça serait maladroit. Quelle set, hein? Grosso modo, ce sont les dépenses, n'est-ce pas? Les salaires, les frais de gestion, les gratifications diverses, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres? Oui, les orphelinats, les asiles. C'est la tradition qu'il veut, monsieur. D'ailleurs, c'est détaxé. La fiscalité est si écrasante de nos jours. La police est là. Et alors? Un inspecteur te demande. Un inspecteur? Oui. Monsieur Capella? Oui. Inspecteur Tesser, je vous prie de me suivre à l'hôtel de police. Parfait. Préviens immédiatement, maître Rinaldi. Ce ne sera pas facile. Pourquoi? Parce qu'il a reçu 2 balles dans le corps cet après-midi. Il est à l'hôpital, dans un état grave. Par ici. Allons-y. Monsieur le commissaire. Asseyez-vous, monsieur Capella. Tant que les choses se passent entre vous, nous avons pour habitude d'intervenir le moins possible. Quand les loups se dévorent, ça fait l'affaire du berger. Et maître Rinaldi est l'adjoint au maire de Marseille. Et peut-être notre futur député. Alors nous sommes obligés d'intervenir. J'étais au bureau toute la journée. J'ai des témoins. Mais naturellement, monsieur Capella. Vous avez un alibi inattaquable. Je ne vous l'ai même pas demandé, j'en étais sûr. Je vais tout de même vous poser les questions d'usage. Mais attention, si vous allez trop loin, nous vous mènerons la vie dure. Qui a fait le coup? Il serait peut-être intéressant que vous posiez cette question à votre excellent ami, monsieur Siffredi. Alors, rien de spécial. On les a relâchés naturellement. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tirage entre les deux. Comment ça? Si Freddy a peut-être fait le coup sans prévenir Capella. Possible. Qu'est-ce que vous attendez pour les casser une fois pour toutes? Vous les aviez prévenus de ne pas toucher à Rinaldi. Et ils l'ont fait. On commence à dire qu'ils vous font peur. Écoute, danseur, il faut laisser dire les gens. Des petits cons, ils ne perdent rien pour attendre. C'est quoi? Un tyran sur Rinaldi.
Et en le manquant, ils en ont fait un député. Tu vois ça? C'est moi qui ai trouvé le titre. Avec 2 balles dans le corps, maintenant il est sûr d'être élu. Fallait pas toucher à Rinaldi. C'était convenu. Surtout à 2 semaines des élections. Je n'ai pas touché à Rinaldi. Quelqu'un cherche à provoquer la bagarre entre Marello et nous. Je sais. Ça peut pas être Marello lui-même. Pourquoi? Je vois pas son intérêt. Je ne suis pas de ton avis. Marello te fait de l'ombre, Rock. Qu'est-ce que tu veux dire? Il te gêne. Tout le monde te gêne. Puisque je te dis que c'est pas moi! Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien de plus. Ce n'est pas si souvent qu'on a l'occasion de te voir. Et tu... Allez. Comment va Rock? Toujours le même. Tiens, joue pour moi. J'aime bien cet endroit. On y venait souvent, tu te rappelles? Oh, tu te rappelles le bateau le soir où t'as ramené Rock? Vous avez fait du chemin depuis ce temps-là. Oui et non. J'aimerais bien encore te faire la cuisine. Je n'aime pas mes souvenirs. Je passe ma vie à mentir. Si partir c'est un peu mourir. Vive la mer et vive les bateaux. Prends-moi matelot. Depuis le temps que je n'ai plus 20 ans, j'en ai connu des amants qui passaient par Marseille le temps d'une veille. Je n'ai pas grand chose à t'offrir, c'est 4 francs pour un soupir. Et si tu veux me faire plaisir, n'oublie pas chérie mon petit cadeau. Prends-moi matelot. Dis donc, Rinaldi s'est fait avoir. Pour de bon, cette fois. À l'hôpital? Oui, un coup de couteau. Qui a fait le coup? On n'en sait rien. Où est Rock? Vous le trouvez? Allez, venez avec moi. Thank you.
Rock. Où est Rock? Je ne sais pas où il est, mais il y a quelqu'un qui l'attend. Je voulais voir Monsieur Siffredi. C'est au sujet de la mort de mon mari. Je sais qui l'a tué. Ah, François? Oui, il est là. Tu veux lui parler? Dis-moi. Il y a des gens qui ont intérêt à provoquer la bagarre entre Marello et nous. Pourquoi? Peut-être pour prendre notre place. Par exemple, il y a un salaud qui a descendu Rinaldi. Rien que pour faire croire à Marello que c'était nous. Ah, mais j'ai appris ça. Quelqu'un qui t'a reconnu. À l'hôpital. Louis au banco, monsieur. 200 louis. Avec la table. Avec la table. On peut jouer, monsieur, 200 louis. J'ai fait... Banco. Banco seul. Avec vous, monsieur.
Elle n'aurait pas dû faire ça. Après la mort du danseur, on était quitte. Il a voulu nous donner une leçon. On va lui montrer qu'on est de bons élèves, d'accord? D'accord. Désolé, il n'y a pas de place. Pardon? Sept à l'avant. Bon, second, égalité au premier. Les chevaux perdent moitié. Messieurs, faites le jeu. Les jeux sont faits marquer. Rien ne va plus. Avec la table. Carte au premier. Carte au second. Un à l'avant. Six au premier. Sept au second. On fait partout. Messieurs, faites le jeu. Les jeux sont fait marquer. Seconde. Huit au second. En premier, en fait le second. Monsieur Marillo vous attend. Je préférais venir te voir directement. T'as bien raison. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'es trompé au sujet de Rinaldi. Possible. Non, c'est sûr.
C'est le danseur qui l'a descendu. Vous nous jetez les uns contre les autres et tirez les marrons du feu. Capella l'a pris à temps, il a fait ce qu'il avait à faire. Toi, tu n'avais aucune raison de remettre ça. Et tu le savais. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. Tu t'es quand même trompé. Et alors? C'est une erreur qui s'oublie difficilement. Tu te fais vieux, Marello. Il y a des choses qui t'échappent. Et c'est grave. Je voudrais passer la main. C'est pour me dire ça que tu es venu. C'était pas la peine de te déranger. Je tenais à te le dire. Écoute-moi bien. Je sais ce que je risque. Je sais que tu pourrais me faire abattre maintenant. Rien de plus facile. Mais tu n'en as plus pour longtemps, Marello. Et ça, je voulais te le dire en face. Cinq au second. Bon partout. Le GST, messieurs. Bien, ne va plus. Carte au premier. Messieurs, faites le jeu. Bon, messieurs, faites le jeu. Bon, ça vous fait marquer. Le GST, messieurs. Avec bien, ne va plus. Le GST, messieurs. Bien, ne va plus. Carte au premier. Carte au premier. Quatre au second, neuf à l'avant, six au premier, trois au second, trois partout. Messieurs, faites le jeu. J'espère que cette fois, il aura compris. Rassure-toi, il a compris. Évidemment, vous aviez le plus bel alibi, vous étiez sur place. Je suppose qu'on vous a volé votre portefeuille. Vous voyez porter plainte. Oui, c'est ce qu'on a fait. Oui, j'espère qu'on les retrouvera. Dans le mien, il y avait les photos de ma mère. Et ça, ça se remplace pas. Les hommes qui ont fait le coup, vous les avez pas reconnus, je suppose. Non. Non. Et la mort de Marello, aucun tuyau? Aucun. Il paraît qu'il aurait glissé et qu'il serait tombé sur son coup de papier.
On a vu des morts plus bizarres. Sûrement. Cette tête-là, ça vous dit rien par hasard? Non. Je l'ai rencontré, je ne connais pas son nom. On l'appelait le danseur. Madame Rinaldi l'a identifié comme étant l'assassin de son mari. Comme il est mort, lui aussi, c'est encore une affaire de classe. Vous êtes les petits rois de Marseille, maintenant. Il n'y a plus personne en face de vous. C'est le moment de bien faire attention. Toussaint, un nouveau maire. Ça nous fait une belle jambe. On dit que Capella et Siffredi sont derrière lui. Il fera peut-être quelque chose pour nous. Tu penses? Son visage me dit quelque chose. Comme tu veux. Ça va. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je vais m'en aller. Tu as le temps? Pas tellement. Dans une heure. Où tu vas? À Nice. Et de là, je pars en Italie. Tu pars seul? Non. J'emmène Lola. Tu t'en vas? Je te l'ai dit. Pour longtemps? Peut-être. Je passe à l'hôtel pour mes bagages. François.
Pourquoi tu t'en vas? Parce qu'on est deux. Je comprends pas. Facile à comprendre. On a eu Polly d'abord. Puis le danseur. Puis Marello. Aucune raison que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus qu'un de nous deux. Faut mieux que je m'en aille avant. On finira par se tirer dessus. Peut-être moi qui commencerai d'ailleurs. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et tu le sais. Et si je partais, moi, à ta place, tu le ferais tout de suite. Je le joue. Si tu perds, tu t'en vas. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu prends? Face. Cette fois, t'as gagné, Rock. Dans chaque poche. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas. Rock. Ma chance. Tu vois, ça n'existe pas.